Nice, de nouveau touché en plein cœur, 4 ans après l'attentat sur la promenade des Anglais. Une nouvelle blessure pour les habitants de la ville. Qui a de la joie en regardant ces images, en voyant Nice comme ça? C'est pas possible. On peut pas être tous satisfaits de ça. C'est impossible. Alors, face à cette dernière attaque, les Niçois veulent plus de fermeté. C'est mon église parce que j'habite au bout de la rue sur le boulevard de Cimiez. Et je trouve que c'est plus possible. C'est plus possible. Ça prouve que Nice n'est pas protégée. Voilà. Donc avec ce qu'ils ont vécu en 2016, c'est pas normal qu'on puisse pas surveiller tous ces gens-là depuis le temps. Mais d'autres semblent s'être habitués à la menace. Tape n'importe où, n'importe quand. Et on ne peut pas arrêter de vivre. Il faut continuer à aller de l'avant. Donc c'est malheureux, mais ça fait partie de notre vie maintenant. La messe de la Toussaint, prévue dimanche, aura donc une teneur particulière. Les fidèles niçois auront tous une pensée émue pour les victimes de cette nouvelle attaque.